Bonjour à tous, nous allons commencer le chapitre 8 que je vous avais distribué vendredi sur feuille et qui donc sera à compléter avec cette vidéo. Dans ce chapitre 8, on va rencontrer une notion de convexité sur les fonctions. C'est une particularité de certaines fonctions. On va chercher à voir si elles sont soit convexes, soit concaves. Alors c'est quelque chose qu'on observe peut-être davantage graphiquement, mais c'est aussi une notion que vous pouvez avoir dans votre vie courante avec les petits bonhommes en emoji. Je vous montre. Vous avez des bonhommes en emoji qui sourient, et puis vous en avez d'autres qui font un peu la tête. Alors, il y a celui-là par exemple. Donc là, si on regarde, il y a un bonhomme qui sourit et il y a un bonhomme qui fait la tête. Et ce qui va nous intéresser, c'est son sourire. Donc un sourire, on va dire, qui est un peu comme une parabole avec des branches qui seraient tournées vers le haut. Et puis un sourire, plutôt un bonhomme pas content, dont le sourire représenterait une parabole dont les branches seraient tournées vers le bas. J'efface. Et si on regarde ce que ça donne sur GeoGebra avec une courbe, une que vous connaissez depuis la seconde, c'est la courbe représentative de la fonction carré. Donc ça. Et on va dire que cette fonction-là, la fonction carré, est une fonction convexe sur l'ensemble des réels. Alors la définition d'une fonction convexe, qu'on écrira tout à l'heure, c'est une fonction dont la courbe représentative est toujours au-dessus de l'ensemble de ses tangentes. Alors si on regarde ici ce que ça donne, on prend un point, on le positionne sur la courbe, on va aller demander la tangente, là. Donc la tangente en ce point à la courbe, et on peut faire circuler, alors je ne sais pas si là ça a fonctionné, donc on peut déplacer le point. En déplaçant le point, vous allez voir apparaître un déplacement également de la tangente, et pour autant la courbe verte qui est tracée reste au-dessus de la tangente. Ici c'est un petit peu comme si vous aviez un bol posé sur votre table. Là, à cet endroit-là, ma tangente se confond avec la table, mais malgré tout, même quand je déplace la tangente, la courbe verte reste au-dessus. Ça, ce serait donc une fonction qui serait convexe sur l'ensemble des réels. Elle est toujours au-dessus de ses tangentes. Une autre, parce que, à contrario, donc le bonhomme pas content, représenterait une fonction qui, elle, serait concave. Et une fonction concave, ça va être représenté, par exemple, par l'opposé de celle qu'on vient de rencontrer. Bonhomme pas content, parabole avec des branches tournées vers le bas. Et si on recommence, on place de nouveau un point. On va demander la tangente en ce point à la courbe. Et de nouveau, on peut déplacer le point. Et en déplaçant ce point, on observe cette fois-ci que la tangente là qui se déplace, elle reste au-dessus de la courbe. Donc une fonction concave, elle aura la particularité d'avoir une courbe qui sera toujours en dessous de ses tangentes sur l'intervalle sur laquelle elle est concave. Donc là, on peut le voir apparaître. Et puis après, il va y avoir des fonctions qui, elles, vont être convexes sur un intervalle et concaves sur un autre. Ça va être un petit peu le cas, je pense, des vagues. Alors, je réfléchis à un exemple en tête que je n'ai pas. Donc là, j'efface. Alors une fonction que vous ne rencontrez pas dans votre programme, mais qui me fait bien penser aux vagues, c'est que vous allez avoir ici une fonction qu'on appelle une fonction trigonométrique. Alors vous avez rencontré la trigonométrie du collège et celle du lycée en seconde.
avec du sinus et du cosinus. Et il existe derrière des fonctions sinus et cosinus qui peuvent être utilisées en particulier ben, dans la mécanique des fluides. Parce que vous avez les notions d'ondes, de vagues qui vont correspondre un petit peu à ça, à ce type de phénomène-là. Et si on demande une tangente à cet endroit, là on peut s'apercevoir que sur cette partie-ci, ce que je montre là, la courbe orange est au-dessus de sa tangente, si jamais je la déplace. Donc si jamais je la déplace, là, elle va être convexe, la fonction, parce qu'elle est au-dessus de sa tangente. En revanche, si je change d'intervalle, là, sur cette partie-là, la fonction est concave. Elle passe en dessous de sa tangente. Puis, je change de nouveau d'intervalle, et là, elle est de nouveau convexe, puis elle est concave. Donc, vous pouvez avoir comme ça des changements sur une même fonction. Vous pouvez avoir des intervalles sur lesquels elle serait convexe, des intervalles sur lesquels elle serait concave. Et notamment dans le déroulé du chapitre, il va nous intéresser, enfin, il y a un point qui nous intéressera, c'est ce qu'on appelle le point d'inflexion, c'est-à-dire l'endroit où vous allez passer de convexe à concave ou de concave à convexe. Et une fonction peut avoir cette particularité-là, et donc une courbe peut avoir plusieurs points d'inflexion. C'est quand vous allez changer finalement de nature et passer de convexe à concave. J'en reviens au cours et à ce qu'il va falloir donc écrire comme définition de fonction convexe, puis comme exemple de fonction convexe, puis comme définition de fonction concave et comme exemple de fonction concave. Et ensuite des propriétés et des remarques, parce qu'on va vous demander d'étudier la convexité d'une fonction, et pour cela, vous allez avoir besoin d'outils. Une lecture graphique peut suffire dans des QCM de type bac si on l'autorise. Si on vous demande d'aller plus loin, il vous faudra des outils de calcul, et vous allez voir que la dérivation va de nouveau apparaître, et qu'on va pousser les choses un petit peu plus loin. Vous allez avoir des dérivées qu'on va appeler dérivées secondes. Vous allez devoir dériver deux fois des fonctions. Et ça, c'est nouveau pour vous dans ce chapitre. Je remonte. Donc la définition d'une fonction convexe, que je vais d'abord vous lire, et ensuite que je taperai. Alors comme vous pouvez le constater, il y a un écho, et on entend pour le moment le bruit de mes touches, ce qui peut être un peu gênant. Je vais essayer de me munir d'un casque qui aurait un micro, mais ce n'est pas sûr que j'y arrive. Donc en attendant, on fait comme ça. Définition. On appelle fonction convexe une fonction dérivable sur un intervalle i dont la courbe représentative est entièrement au-dessus de chacune de ses tangentes sur cet intervalle. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, je suppose que je ne regarde que la convexité de la fonction. Je ne suis pas sur un changement convexe-concave comme on a pu l'observer pour la fonction sinus de tout à l'heure sur GeoGebra. Donc je tape. Alors, des exemples de fonctions convexes, on en a vu tout à l'heure sur GeoGebra. Vous avez par exemple la fonction carré que vous avez rencontrée en seconde,
qu'on manipule en première, de nouveau en terminale. Vous avez la fonction exponentielle, à l'ordre du jour en ce moment. Et cette fonction exponentielle est une fonction qui est convexe également sur l'ensemble des réels. Alors vous verrez que elle, si on l'imaginait en forme de sourire, comme un petit bonhomme, là, il faudrait tourner la tête à 45 degrés pour imaginer le sourire apparaître. Pour la parabole qui représente la fonction carré, c'est plus évident parce que c'est horizontal, c'est face à nous. Là, il faut pencher un peu la tête pour voir apparaître un sourire qui va être plus étalé, entre guillemets. Alors, si vous avez une définition de ce type-là pour la fonction convexe, vous allez avoir une définition du même type pour la fonction concave. Si j'avais été en classe avec vous, je vous aurais demandé de me donner la définition de fonction concave. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça pourrait être. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez modifier là-dedans pour entrer dans le cadre d'une fonction concave? Vous avez normalement eu le temps de réfléchir. Et là, je vous indique, vous l'avez peut-être rempli hein, tout seul le cadre, parce que c'était l'objectif là. On appelle fonction concave une fonction dérivable sur un intervalle i, dont la courbe représentative est entièrement située en dessous de chacune de ses tangentes. On appelle fonction concave une fonction dérivable sur un intervalle i, dont la courbe représentative est entièrement située en dessous de chacune de ses tangentes sur l'intervalle considéré. Cela veut dire que je prends ça. Bien sûr, ça fonctionne. Tac. Et je le mets ici. Et je change ça. Donc, concavité, la courbe en dessous. De chacune de ces tangentes sur l'intervalle considéré. Alors, comme fonction concave, là aussi, je vous aurais demandé peut-être d'illustrer par des exemples. Il y a la fonction qu'on a rencontrée tout à l'heure sur GeoGebra, qui est la fonction qui a x associé moins x carré. Il y a ça, par exemple. Il y a aussi donc celle que je vous mets là dans le cours, la fonction racine carrée qu'on rencontre en seconde, que vous n'avez pas rencontrée davantage en première et en terminale, qui fait pourtant partie des fonctions qui, elles, sont concaves. Et vous avez la fonction logarithme népérien, que vous ne connaissez pas encore, qui sera l'objet du chapitre 9. Je la mets quand même à cet endroit. Même si vous n'en avez jamais entendu parler, vous pouvez commencer à regarder sur votre calculatrice. Vous allez voir apparaître une touche sur votre calculatrice, qui est la touche ln. Vous allez également voir apparaître la touche log. Ce sont normalement deux touches de votre clavier calculatrice. Donc, si jamais je regarde sur une graphe, vous avez la touche ln et vous avez la touche log. Vous pouvez commencer à manipuler hein, cette touche. Ce qui m'intéresse là, c'est la touche ln. Log est plutôt réservé à la chimie, physique. Vous en avez moins besoin, vous, en TES. La touche logarithme, par contre, c'est une fonction. Nous verrons sa définition dans le chapitre 9. Elle est en tout cas envisageable sur une calculatrice. Vous pouvez mener des calculs sans savoir exactement ce qu'elle fait. Et sa courbe représentative est donc celle-ci.
Ben non, une propriété que vous allez appliquer pour pouvoir démontrer, pour pouvoir justifier qu'une fonction est convexe ou concave. Alors, c'est une propriété qu'on ne démontre pas, et c'est une propriété ici qu'on applique dans les exercices. Une fonction f est convexe sur un intervalle i si et seulement si sa dérivée f' est croissante sur i. Une fonction. Alors je réfléchis, qu'est-ce que je fais? Donc non, je vais vous montrer autre chose. On va regarder sur GeoGebra ce que ça donne. Je refais la manipulation de tout à l'heure avec la tangente. Ça, c'est donc une fonction qui est convexe. Et ce que j'ai tracé ici, c'est la tangente au point A. Si vous observez ce cadre-là, vous allez avoir l'équation réduite de cette tangente et vous allez avoir le coefficient directeur de la tangente qu'on lit ici qui est moins 2,95. Moins 2,95, donc ça, c'est associé au coefficient directeur, mais je vous rappelle aussi que c'est associé au nombre dérivé. Et on va observer comment ce coefficient directeur varie. Ici, l'ensemble qu'on considère, c'est l'ensemble des réels. Cette fonction, elle est définie, elle est dérivable sur l'ensemble des réels, et elle est convexe sur l'ensemble des réels. Si on observe maintenant le coefficient directeur qui est de moins 2,95, et qu'on fait varier le point A, la position de A, vous allez voir apparaître un changement également sur le coefficient directeur. Tout à l'heure, il était de moins 2,95, là, il est de moins 2,3, de moins 1,9. Moins 1,43, moins 1,22, moins 1,18, moins 0,95, moins 0,47, 0,04, 0,16, 0,43, 0,95, et je continue comme ça, 1,26, 1,88, 2,42. 3,11, 3,8, 4,41. Je refais la manipulation, cette fois-ci en prenant en note ces résultats. Alors, ils ne sont pas à écrire hein, dans votre cours, mais c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Alors, j'essaye d'avoir tout. Donc, ici, en ce point-là, l'équation réduite de la tangente est celle-ci, et le coefficient directeur est de moins 3,75. Donc je le prends en note. Je rappelle qu'on va lire de la gauche vers la droite. Quand je fais bouger ce point, je le fais bouger de la gauche vers la droite, et là, je le fais bouger, et mon équation réduite a changé, également mon coefficient directeur. Là, il est de moins 3,17. Et je continue, je le modifie encore, je continue à parcourir la courbe. Mon équation réduite a changé, mon coefficient directeur également. Je continue, mon coefficient directeur est maintenant de moins 1,2. Je continue. À un moment donné, vous allez atteindre l'horizontale. Le coefficient directeur est de 0.
Ça correspond à une tangente horizontale. Je continue. Un coefficient directeur ici de 0,98. Un coefficient directeur de 2. Un coefficient directeur de 3,18. Et j'arrête là. Cette liste de nombres que vous avez, quand vous étiez petit, quand vous étiez en primaire, vous étiez en train de dire que cette liste de nombres, c'était, enfin peut-être pas en primaire d'ailleurs, les nombres négatifs, ça doit être plutôt au collège. En tout cas, vous avez des nombres négatifs, vous avez ici des nombres relatifs, mais ils sont rangés dans un certain ordre, ils sont rangés, vous diriez normalement, du plus petit au plus grand. Donc vous avez rangé dans l'ordre croissant. Cet ordre croissant, cela veut dire que vos coefficients directeurs sont rangés dans l'ordre croissant. Or, un coefficient directeur, pour nous, un coefficient directeur de tangente, ça correspond à un nombre dérivé. Donc, nombre dérivé, ça vous l'écrivez pas, hein, je précise. Dans la propriété, on écrit seulement la propriété concernant la convexité qui a un rapport avec la dérivée. Là, ce que j'illustre, c'est justement, j'essaye de faire comprendre cette propriété sans la démontrer, de le faire comprendre graphiquement. Donc, je rappelle que derrière un coefficient directeur de tangente, vous avez un nombre dérivé. Ça veut dire que vos nombres dérivés sont rangés dans l'ordre croissant également. Pour une fonction qui est convexe, parce que celle qu'on a étudiée ici, c'est une fonction qui est convexe. Des nombres dérivés rangés dans l'ordre croissant, cela va vouloir dire une dérivée croissante. Ça va sous-entendre ça. C'est la raison pour laquelle vous avez cette propriété qui fait le lien entre la convexité et la dérivée qui, elle, serait croissante sur l'intervalle considéré. Et si vous voulez la même chose pour la fonction concave, on reprend. Un copier-coller. Et là, vous allez changer. Une fonction est concave si sa dérivée est décroissante. Et je vais vous le faire observer aussi sur GeoGebra. Alors, je ne referai pas tout. Mais là, si je mets ça, je change complètement l'allure de ma courbe. Donc, il faut imaginer que quand on oppose une propriété algébrique, derrière va peut-être se cacher une fonction dont la courbe va être différente, ne possédera pas les mêmes propriétés. Là, on vient de passer de convexe à concave. Et en prenant un point... qu'est-ce que j'ai fait? Oui, donc la tangente. Non. Non, je n'ai pas la médiatrice. La tangente. Voilà. Donc vous voulez la tangente, elle est tracée. Et si on observe le coefficient directeur de cette tangente, c'est 1,83. Je déplace, et en déplaçant, tout à l'heure j'avais 1,83, maintenant j'ai 1,06, donc c'est plus petit. Moins 0,8, moins 2,17. Et on s'aperçoit là que les coefficients directeurs sont rangés dans l'ordre cette fois-ci décroissant. Ce qui va aller de pair avec une fonction dérivée décroissante, puisqu'on fait le lien entre coefficient directeur d'une tangente et nombre dérivé, et que ces nombres dérivés que vous obtenez permettent de définir la fonction dérivée.
Et je m'arrête pour cette partie-là. Donc, première partie du cours. Vous n'avez pour l'instant aucun exercice. Je vais vous en mettre. Ça arrive bientôt.